la concentration, il va y avoir quelques embûches très rapidement lors du départ, des orages, de la pétole, du courant contraire dans la nuit, des possibilités éventuellement de voir mouiller. Donc il va falloir être très réactif et prendre des bonnes décisions très vite là, sur les premières heures de course. Le parcours il est atypique, notamment les trois premiers jours qui vont se passer dans un fleuve. Antoine, on commence à bien se connaître, donc on a des automatismes, etc. Benoît, il avait participé à quelques petites courses à Saint-Malo justement avec nous. Il connaît bien le bateau parce qu'il navigue sur un sister ship avec Jonas Jerkens. On est des bons amis à terre, je pense que ça va très bien se passer en mer, on risque de bien rigoler et puis d'être surtout très très motivé pour essayer de bien faire.